Pierre-Laurent, merci d'être avec nous. Tsipras, c'est vous alors? À Athènes, c'est vous qui avez gagné? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je travaille avec Alexis Tsipras depuis plusieurs années. Et effectivement, cette victoire est une très bonne nouvelle. Oui. Mais Marine Le Pen dit que c'est sa propre victoire. Oui, mais elle se moque du monde parce que c'est l'exact inverse. Elle préconise la sortie de l'euro et Alexis Tsipras est en train d'imposer une solution dans l'Europe. Si l'expérience Tsipras réussit, est-ce qu'elle peut devenir pour vous, selon vous, une alternative pour d'autres pays européens, dont nous, la France ? Oui, je crois que pour les pays du sud de l'Europe qui ont été gravement touchés par les politiques d'austérité, et pour des pays comme la France, je pense que ça peut dessiner une sortie solidaire de la crise, à l'inverse de ce qui se passe depuis 5 ans. Pierre-Laurent, Tsipras a annoncé un programme qui va coûter 12 milliards. Il n'a pas cet argent. Avec quel argent il va le financer ? Mais le problème, on dit il faut continuer les réformes, mais le problème c'est la contrepartie des efforts qui sont faits, y compris les efforts européens. Est-ce qu'ils sont faits pour permettre à la Grèce de se relancer ? Jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est plonger la Grèce dans une crise humanitaire et sociale terrible, avec un prix humain absolument incroyable à payer. Donc Alexis Tsipras dit, si vous voulez une Grèce qui retrouve sa capacité à payer, donnez-lui les moyens de se développer. Donc nous devons financer le programme de développement. Vous avez entendu.